Nous sommes aujourd'hui dans l'une des étapes du programme national d'accompagnement et d'appui aux jeunes entrepreneurs agricoles dans le milieu rural, exactement dans la ville de Chmaïa. Ce programme s'inscrit dans le cadre de déploiement de Génération Green 2020-2030, notamment son volet relatif à l'élément humain. Il a pour objectif l'accompagnement des jeunes ruraux porteurs de projets et s'articule autour d'un accompagnement financier adapté et aussi un accompagnement non financier par notre partenaire, l'Office national de conseil agricole. Donc ce programme, il concerne l'ensemble des régions du Maroc et se déroule d'ici fin juin. Ce programme, il porte essentiellement sur l'accompagnement des porteurs de projets, quel que soit le degré de maturité de leur projet. Notre engagement au Crédit Agricole du Maroc est effectif par l'offre que nous dédions dans le cadre du programme TELAC, un programme qui a été lancé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Le groupe Crédit Agricole a créé ce produit, le Moustatmir Al-Qaraoui, pour permettre et pour faciliter l'accès aux jeunes porteurs de projets au financement avec des conditions très faciles. Donc notre engagement au Crédit Agricole, elle est effective. La preuve, c'est notre présence aussi pour animer les ateliers avec notre partenaire, l'Office national du conseil agricole, mais aussi notre présence, elle est sur le terrain avec nos agences mobiles qui sont toujours présentes dans les souks hebdomadaires de la région pour apporter l'appui nécessaire aux jeunes porteurs de projets. Après une première phase de cartographie des idées de projets d'entrepreneuriat, la direction régionale Marrakech-Safi a entamé la deuxième phase du programme national d'accompagnement et d'appui des jeunes entrepreneurs agricoles, dites de pré-création. Et ce, en partenariat avec le groupe Crédit Agricole du Maroc. Ce programme envisagera l'accompagnement des jeunes et des femmes porteurs des projets déjà identifiés en matière d'élaboration de business plan pour des projets modèles éligibles au financement. انا حامله مشروع لانتاج الدجاج البلدي وانتاج اللحوم والبيض وعندنا مشاريع اخرى متعدده بالنسبه للفلاحين بالمنطقه. وهاد التكاوي اللي حنا كنديروا مع المكتب الاستشاري ديال الفلاحه اللي عندنا بالمنطقه جينا حنا حاليا باش يوجهنا ويورينا كيفاش نحملوا المشاريع ديالنا نقدموهم البرنامج ديال الانطلاقه وكنتمنوا منهم انهم يبقاو يواكبونا دائما ويوجهونا لا هما ولا المؤسسه ديال القرض الفلاحي ولا المكتب الجهوي باش نمشيو وان شاء الله ننطلقوا في هذه الانطلاقه كشباب كنساء قرويين كفلاحه بالمنطقه ديال جهه اسفي مراكش. تعلمنا كيف نعمروا مخططات الاعمال او دراسات الجدوى الفلاحيه واللي القرض الفلاحي شرح لينا اللي خاصها توفر في قبول المشاريع ونتمنوا المشاريع ديالنا ان شاء الله المشروع ديالنا يتمول ويتقبل لدى مؤسسة القرض الفلاحي.